sont juste pas en masse, les gars. Mais qu'est-ce que tu là? Ah, ça me saoule, j'ai dû laisser le temps sans surveillance. J'ai faim! Bon, Aya, elle est où? Celle qui nous a demandé de venir, non? Bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation. Aujourd'hui, est un grand jour pour moi, Aya, votre photographe et reporter préféré. Après de longues semaines de recherche, d'enquête et de nuit blanche, j'ai réussi à terminer le projet qui me tenait tant à cœur depuis des années. Je déclare aujourd'hui ouvert le premier concours de Miss Culotte de Kenzokyo. C'est vrai quoi? C'est pas parce qu'on vient d'un tout jean bourré de loli en jupette qu'il faut forcément que ça tourne en taille. Ma vie est foutue. Silence, silence. Laissez-moi vous expliquer le principe. Il y a ici 5 culottes présentées au public. Chaque culotte photographiée appartient à ces filles ici présentes. Vous allez donc devoir voter pour votre culotte préférée. Ah non, mais ça va pas, Aya. J'ai pas signé pour ça, moi. Première catégorie, la culotte gamin. Et dire qu'il y en a qui osent encore mettre ça de nos jours. Ah, je suis sûre que c'est à toi, ça. Non, c'est même pas vrai. C'est pas du tout mon genre. Bah ouais, ton genre, c'est petit bateau, quoi. Et ça, c'est pas la tienne, tiens. Tu peux parler. Elle est trop moche. Non, mais non. Enfin, c'est ma peau de l'esprit, mais tampon. Deuxième catégorie. Préférée de nos chers otaku, je cite, les petites culottes à fraises. De toute façon, elle peut jamais rien voir. J'ai un super jupon. C'est à Reynaud, ces culottes, pas moi. Oui, et alors, étant le personnage le plus populaire, je dois bien répondre en attendant des fans. Quoi? Mais c'est moi la plus populaire. Troisième catégorie, culottes sophistiquées. T'inquiète, bébé, collectionnez les femmes, quoi. Parce que je le vaux bien. Je suis une femme élégante, moi. Oui, d'ailleurs, ma nouvelle collection sort aujourd'hui. Mon Dieu! Catégorie sexy. À qui appartient ce magnifique string en dentelle rouge criard, hein? Oh. Oh, la petite cachetière, c'est sexy tout ça. Non mais vous avez tort, c'est pas à moi, voyons. Jamais je ne pourrais porter ça. C'est à elle, j'en suis sûre. Non, non, c'est bien à elle. Ça peut pas être moi. Je porte pas de culotte. Regardez.